Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Romeu Kozos. La richesse de la mode africaine célébrée au V&A Museum de Londres. L'African Fashion qui s'est ouvert le samedi 2 juillet au Victoria and Albert Museum s'annonce déjà comme la plus vaste exposition jamais consacrée à la mode africaine au Royaume-Uni. C'est le V&A Museum créé en 1852 à une époque où le Royaume-Uni étendait son empire et qui est dédié à l'art et au design qui va servir d'écrin à cette grande exposition où seront visibles autant de vêtements que de textiles, de photographies, de croquins, de films et de séquences de défilés. En effet, faire remarquer la conservatrice Christine Chesenska, la créativité africaine a été grandement exclue ou mal représentée en raison de la division historique entre les musées d'art et d'ethnographie qui résulte de nos racines coloniales et des principes racistes ancrés. Ces dernières années, les mouvements antiracistes dont Black Lives Matter ont poussé le Royaume-Uni à réfléchir sur le rapport à son passé colonial, des collections de ces musées aux statues et monuments. Nous voulions célébrer l'incroyable scène de la mode africaine aujourd'hui, a expliqué Elisabeth Murray, qui a participé à la conception de l'exposition. Évidemment, c'est impossible de résumer un continent de la mode. Donc, le but de l'exposition est vraiment de donner un aperçu du glamour et de la politique de la scène de la mode a-t-elle poursuivi. L'exposition s'ouvre avec l'ère de l'indépendance, des années de la libération et de grandes transformations politiques, sociales et culturelles. Quand s'habiller peut être un acte politique, à l'exemple du premier ministre du Ghana, Kwame Nkrumah, qui en 1957 s'affiche en pagne quinté, tissu traditionnel coloré et épais. Juste après avoir annoncé l'indépendance du pays, il délaisse ainsi le costume européen dans un geste symbolique. Aujourd'hui encore, le choix de porter telle couleur ou tel motif révèle des significations précises. Azo, ok. Ankara, Bogolan, un large éventail de tissus est produit sur le continent africain avec des matériaux et des techniques très diverses. Comme l'a dit un jour le sculpteur Anatsui, en écho à l'artiste Sonia Clark, le tissu est à l'africain ce que les monuments sont aux occidentaux. Des étoffes qui sont réinventées au goût du jour à l'image de la dire. Un tissu teint à l'indigo traditionnellement produit dans le sud-ouest du Niger et aujourd'hui popularisé par des marques telles que Makiho, Lego Space Program, et Orange Culture. Montrer la vitalité d'une scène de la mode aussi dynamique et variée que le continent lui-même. Sur deux niveaux se côtoient les créations de stylistes emblématiques du milieu du XXe siècle, dont le Nigérien Alpha Di, le Malien Chris Seydou ou la Nigérienne Shad Thomas Pham, aux côtés des créateurs contemporains comme la Nigérienne Boubou Ogissi, dont la marque Yamisigo met à l'honneur les tissus et les techniques issues du continent. L'esthétique minimaliste des marques Katouche basées au Kenya ou Machian au Rwanda contredit les présupposés d'une mode africaine qui débordait de couleurs et de motifs. Dans ce catalogue très électrique, et il y a un lien qui relie tout cela, c'est la pression de la culture, dit l'AFPT, le styliste Arsti Ifrage. L'idée est de provoquer les souvenirs des gens, de leur faire ressentir quelque chose, ajoute le créateur. Paris réussit avec la pièce qu'il a spécialement réalisée pour l'exposition conçue à partir d'un trench coat typique de la garde-robe britannique et transformée en une burqa dorée et surdimensionnée. L'exposition est accompagnée d'un riche programme avec des débats, des conférences, des événements ouverts au public. Ensuite, 10 bijoux tendance à avoir dans son armoire pour les vacances. Qu'est-ce qu'on aime faire pendant les vacances, mis à part flémarder ? Sortir et flémarder à nouveau. C'est bien le shopping, la saison de l'évasion ou saison estivale demeure la plus amusante pour la mode et les bijoux. Pendant les vacances, personne ne se prend la tête. Les tenues sont légères, stylées et colorées et les bijoux d'été savent bien les mettre en valeur. Comment parviennent-ils? Dans cet article, nous vous proposons nos bijoux recommandables pour des vacances à la pointe des tendances. Zoom sur les coups de cœur intemporels qui mettront en avant les pièces de votre garde-robe des vacances. Le set Jinx et Ops en pierre précieuse, TTG. Les couleurs vives sont toujours les préférées pendant les vacances. Et bonne nouvelle, la marque The T-Shirt Jewelry a le mérite de bien matérialiser la tendance. Boucle d'oreille Mango Beast accessoire. Quoi de mieux que des formes abstraites aux oreilles pour rehausser votre style estival? Jouez la carte de l'audace avec les pièces de la marque Beast accessoire. Clou d'oreille Baoulé de Omi Woods. La marque a pensé aux férus des boucles d'oreilles miniature et c'est une superbe nouvelle.
Si vous souhaitez avoir une boucle de piercing originale pendant ces vacances, les clous d'oreilles soleil de Baolé feront l'affaire. Bracelet spiral de Naka Design. Toujours dans le contexte de l'audace et de l'originalité, nous vous suggérons de monter le niveau avec un bracelet spiral. Ce bracelet serait un moyen magnifique d'apporter une touche singulière au ton neutre d'une tenue ou d'ajouter encore plus de viralité à un look déjà coloré. Bague en grenat de la marque Morebelli, richement colorée et magnifiquement détaillée. Cette bague en grenat pourrait rendre n'importe quelle tenue d'été glamour et absolument superbe. Après, la semaine dernière, les hommes les mieux habillés n'ont rien laissé au hasard. Bien que la semaine dernière n'était peut-être pas remplie d'autant d'événements étoilés que ces derniers temps, les célébrités, y compris les chanteurs, les acteurs et les athlètes, ont encore eu de nombreuses occasions de se montrer à la hauteur ou de marquer l'occasion. Les stars les mieux habillées de la semaine dernière ont pris des risques de mode rafraîchissants et n'ont négligé aucun style. Bien que ces ensembles de déclarations soient encore polis, ils ont également canalisé une attitude plus audacieuse qui a rendu les résultats finaux tout à fait inattendus. Au milieu de la Fashion Week de Paris, le joueur de la Ligue nationale de football, Grant Delpy, a parcouru les rues de Paris dans un ensemble Rissé Cooper composé d'un pantalon cargo et d'une veste de travail à imprimer drapeau qu'il portait sur un t-shirt blanc classique. En quête d'une finition décontractée urbaine et d'un style de pro, il a complété le look avec une paire de baskets montantes abstraites Rick Owens. Il a vraiment l'air de s'être amusé avec son approche. Pendant ce temps, il semble que les pieds en accordéon fassent leur retour cet été et que les hommes sautent également dessus. Lors de ses vacances à Londres, l'animateur de télévision Ebuka Obi Uchenjo a été aperçu portant deux pièces de la collection printemps été 2022 de la marque new-yorkaise Richie NYC, le haut à pied accordéon et le pantalon blanc à pied accordéon. Les silhouettes courageuses étaient portées avec une paire de baskets assorties. Avec ce look, Ebuka avait l'air prêt pour la relaxation et attirait toute l'attention qu'il fallait. La semaine dernière, des stars comme Grant Delpy, Ebuka Obi Uchenjo et Idris Elba ont choisi une attitude audacieuse alors qu'elles attiraient l'attention avec leur tenue et nous sommes plus que convaincus qu'elles ont fait le bon choix. Enfin, trois incroyables bienfaits de la pomme pour la peau. Le dicton « une pomme par jour éloigne le médecin » est en effet vrai contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Les avantages incroyables de la pomme pour la peau vont au-delà de vous donner une apparence saine mais font en fait briller et éclater votre peau. Au lieu de vous tourner vers des produits dont vous ne pouvez pas dire comment ils ont été fabriqués, pourquoi ne pas compter sur la nature pour garder votre peau d'apparence saine? La pomme est un fruit consommé par la plupart des gens. Elle est donc populaire et facile à obtenir. Améliorez votre teint. Les pommes peuvent aider non seulement à éclaircir votre peau, mais aussi à éclaircir sa couleur car elles offrent une petite protection contre le bronzage. Le collagène et l'élastique des pommes sont essentiels pour garder la peau jaune. C'est l'un des avantages incroyables de la pomme pour la peau. Lutte contre le vieillissement. Les désoxydants présents dans les pommes vertes retardent le vieillissement et préviennent votre peau du vieillissement prématuré. La vitamine A, la vitamine C et le phénol renforcent votre corps pour lutter contre les rides, les ridules et les cernes. Les désoxydants freinent les dommages cutanés et valorisent la qualité de la peau. Hydrater la peau. Les pommes non seulement hydratent mais nettoient également la peau. Couvrez votre visage de tranches de pommes. La pomme doit être coupée juste avant de l'utiliser et laissez-les jusqu'à ce que les tranches soient sèches pendant au moins environ 15 à 20 minutes. La vitamine E contenue dans la pomme gardera la peau douce et hydratée. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Homme Cosos. À la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine.